Hey yo les petits potes, c'est Rookie, j'ai officiellement battu mon record de kill sur Rebirth Island sur le nouveau Warzone Black Ops 6 avec une plus de 20 kills avec la GPR 91. Pour moi, la GPR 91, elle est clairement la méta AR de la saison 1 rechargée de Warzone. Pourquoi? Parce qu'elle a un très bon profil de dégâts et elle a peu de recul. Si on veut chercher une arme qui a très 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 peu de recul, on va pencher sur la Model L, mais son profil de dégâts est un peu faible. Si on veut un profil de dégâts extraordinaire, on va plutôt aller vers des armes comme l'AK-74, mais à l'inverse, son profil de recul est un peu est moins facile à gérer tout du moins. Et je trouve que la GPR 91 est un très 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 bon compromis entre ces deux armes. Là, je suis niveau 23, mais tous les accessoires que je vous montre en dessous, il suffit d'être niveau 21 pour les débloquer. Profitez bien du gameplay, régalez-vous bien, essayez avec la setup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde. Fini. Soldat ennemi en approche. New York. Drone ennemi, juste au-dessus. Ennemi dans la zone d'opération. Vous perdez du terrain, bougez-vous. Un drone ennemi se trouve au-dessus. Cible à terre. Un de moins. Braderie activée. J'en ai eu un. Demande en survol de reconnaissance. VGL prête à être largué. Feu, danger proche, terminé. VGL imminent. Cible à terre. Cible à terre.
déployer. La fenêtre de résurgence vient de se fermer. Surveillez vos arrières. Cinq escouades encore opérationnelles. Drone disponible. On demande un survol de reconnaissance. Frappe de précision disponible. Cible marquée. Plus que trois escouades. Demande de frappe. Restez concentrés. Reçu, Longo 3A en approche. Le gaz se déplace. Let's go baby, let's go, la 21 kills, BRACHA!